Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Kate Middleton. Oui, je vais faire encore une vidéo sur elle. C'est en rapport avec Meghan Markle. C'est par rapport à la façon dont Meghan Markle avait été traitée lorsqu'elle était encore couramment de travaillant de la famille royale, lors de ses sorties quand elle portait des vêtements qui la mettaient en valeur et on n'arrêtait pas de la critiquer. Hier, Kate Middleton a assisté à une représentation alors qu'elle est en voyage en Amérique du Sud, notamment Belize. Une petite représentation à laquelle elle assistait et pour ce faire, elle est arrivée dans une robe rose, une robe qui est vraiment belle, hein, qui lui va très bien même si elle a l'air un peu maigre. C'est une robe qui vaut 2500 livres sterling. Donc elle était avec la première dame du pays, de Belize, et ce qui était remarquable, c'est en fait la différence entre les deux dames. La première dame était plus sobre, même si sa tenue était d'une couleur verte. Et par contre, Kate Middleton était de rose vêtue, tissu scintillant, et vraiment luxueux. Ce qui vraiment clash, ce qui peut choquer dans le sens où on sait que ce pays est un pays en voie de développement, où la population gagne très peu et vit mal. Donc se promener comme ça, avec des bijoux aussi chers, et une robe qui vaut 2500 livres, c'est-à-dire à peu près 3000 euros, même si ce n'est pas beaucoup en termes de finances pour elle, pour ce peuple-là, c'est quand même près d'un an de salaire. Hein. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un peu over the top, c'est-à-dire un peu trop pour l'occasion. Donc, c'est vrai, elle est jolie dans cette robe, mais je trouve quand même que c'est abusé. Si ça avait été Meghan Markle, oh mon Dieu. Je ramène à Meghan parce que chaque fois que Meghan Markle portait quelque chose pour aller à une représentation quelconque, ben on lui faisait la remarque, on lui disait en fait qu'elle était trop habillée, que c'était trop cher, que c'était trop ceci. Ben, si ça avait été Meghan Markle, je vous assure que toute la toile aurait été en feu. Quand je dis la toile, je parle d'Internet parce que les trolls et les haters ne se seraient pas gênés de lui rappeler qu'elle est dans un pays en voie de développement où la population ne gagne pas bien sa vie et où il était mal vu de venir porter un habit scintillant qui fait très chic et très cher alors que la population mange presque pas. Voilà, je dis ça comme ça hein, en même temps, sans jalousie, sans mauvaise foi. C'est vrai que je ne la porte pas dans mon cœur, je ne la déteste pas. Je trouve seulement qu'elle aurait pu faire un peu plus pour Meghan et être moins antipathique. Voilà, on va dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.